avec une bêche à l'épaule avec à la lèvre en douchant avec à la lèvre en douchant avec à la un grand courage il s'en allait trimer aux bon, d'abord je suis très ému de me retrouver devant cette euh, toile que j'ai tellement pensé rêvé fantasmé, que, que j'ai vu déjà puisqu'on l'a exposée ensemble à, à argentan à, à la médiathèque d'argentan et euh, j'avais l'impression qu'elle était beaucoup plus petite je découvre là que finalement elle est presque à l'échelle 1. Et en ce qui concerne mon père, pour le coup, parce que je vous expliquais pourquoi cette œuvre est pour moi un chef-d'œuvre, peut-être même le chef-d'œuvre de Robert, il a peint des milliers de toiles, des milliers d'œuvres, et euh, on, aime, on aime plus ou moins, et on ne se demande jamais pourquoi on aime plus ou moins. Alors que quand on réfléchit sur les, sur les raisons du jugement de goût, elles sont toujours biographiques ou autobiographiques. C'est Nietzsche qui nous dit ça dans, dans la préface au Gué Savoir, il nous dit on a la philosophie de sa propre personne, il parle d'idiosyncrasie et de fait on a une culture, on a un jugement, on a des habitudes, on a été le produit d'une civilisation, d'une époque, de parents, d'enseignants et de fait quand je me, quand je me retrouve devant cette œuvre-là, ça renvoie évidemment à ma, à ma biographie puisque cette, cette œuvre illustre le mot n'est pas, est pas correct, mais enfin, euh, est en contrepoint, on dirait, hein, de la chanson euh, de Georges Brassens, Pauvre Martin, pauvre misère, qui raconte le labeur d'un ouvrier agricole. Et mon père était ouvrier agricole. Donc, euh, j'aime tout particulièrement cette œuvre parce qu'elle présentifie mon père et que j'ai beaucoup dit pourquoi j'aimais mon père et, et comment j'aimais mon père, parce que finalement, il y a toute une conception du monde qui était la sienne. Et Robert a restitué cette, con cette conception du monde qui est celle du paysan, de l'homme qui travaille la terre. C'est-à-dire qu'il ne s'est pas contenté de faire une image euh, pour mettre au pied de, 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 du texte de Georges Brassens. Victor Hugo disait qu'il ne voulait pas qu'on de musique euh, au pied de ses vers, qu'on qu 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 fasse de la musique avec, euh, avec ses vers. Et donc euh, on pourrait presque dire que, même si c'est en contrepoint d'un texte de Georges Brassens, ça n'a pas besoin de Georges Brassens pour exister cette, euh, cette œuvre. Parce que on pourrait tout aussi bien renvoyer à Hésiode. Hésiode a écrit un texte fabuleux dans l'Antiquité qui s'appelle Les Travaux et les Jours. Et on a les Travaux et les Jours euh, figurés de manière absolue. C'est-à-dire que c'est une leçon de cosmologie, de cosmogonie, c'est une leçon de sagesse, c'est une leçon de philosophie, c'est une, une leçon qui dure depuis toujours. C'est-à-dire que ce que fait Robert ici, c'est ce que fait Hésiode dans son, dans son immense poème. Il met en relation l'homme la nature, le cosmos, son destin, puisque on voit ici le corps allongé, puisque finalement le corps allongé de celui qui travaille ici, puisque l'histoire, c'est un homme qui, qui retourne à terre régulièrement, qui ne se plaint pas, qui, qui ne, qui ne geint jamais, qui ne gémit jamais. il fait des trous pour planter, pour mettre, des, pour mettre des graines, et puis ça va germer, il va y avoir du blé, on va faire du pain, on va nourrir des hommes qui vont finir par mourir parce qu'ils auront fait des enfants. d'autres feront exactement la même chose. c'est le cycle de l'éternel retour. Il y a la vie, il y a la mort. Et puis un jour, il creuse un trou, c'est son dernier trou, il s'y allonge, il ne fait pas de bruit, il s'en va, il disparaît comme il a vécu, il a été un, 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 un fragment de la nature. Il n'a pas été dans la nature, il a été un fragment de la nature. C'est tardif l'opposition de l'homme et de la nature, c'est la modernité, c'est Descartes, c'est le, le cogito, c'est-à-dire je, je pense, donc je suis, je existe, il y a la nature, et je suis séparé de la nature pendant des siècles les hommes ne sont pas séparés de la nature. Et dans d'autres civilisations, civilisation orientale par exemple, civilisation africaine, on n'est pas séparé de la nature, on est un morceau de la nature, on est un fragment de la nature. Il n'y a pas l'homme et la nature, il y a la nature, et dans la nature, il y a de la terre, il y a du soleil, il y a des cieux, il y a de l'éther, il y a des hommes, il y a du travail, il y a de la sueur, et il y a toutes ces choses-là. Et donc, c est, c est un, cette peinture est un poème hésiodique, je dirais, qui nous raconte les travaux et les jours. Qui nous raconte également le cycle de l'éternel retour. En ce sens, c'est un tableau nietzschéen. Mais en même temps, Nietzsche a une conception d'éternel retour qui est une conception très grecque. Pas, il n'invente pas ça. Et encore aujourd'hui, chez les bouddhistes, chez les hindouistes, la conception du temps n'est pas linéaire. Elle est justement cyclique et circulaire. C'est-à-dire, ça part, ça, ça fonctionne comme ça, et puis ça revient, ça disparaît, et ce qui a eu lieu se répète indéfiniment. C'est ce que dit Nietzsche. C'est l'éternel retour du même. C'est-à-dire que. Les hommes qui travaillent la Terre l'ont travaillée depuis toujours et la travailleront depuis toujours. Même si aujourd'hui on peut imaginer qu'avec le transhumanisme, on commence à faire des, à faire des, 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 des fruits ou des légumes qui n'ont jamais vu la Terre, qui n'ont jamais vu la pluie, qui n'ont jamais vu le Soleil, qui n'ont jamais vu la, la, lumière, la lumière naturelle et, et qui ne sont que dans des, dans des bacs dans lesquels on met des produits chimiques qui on produit des, des, des tomates, on produit des fleurs qui n'ont rien à voir avec la nature. Et ici, c'est vraiment le cycle de la nature, qui est un cycle, pour le coup, le mot le dit, hein, c'est circulaire, c'est-à-dire ça revient. Et on voit bien le cercle ici, qui fait le tour probablement, et ça se passe comme ça chez les, dans, la, dans la mythologie, par exemple, égyptienne, c'est-à-dire que le, le soleil se couche, mais passe par-dessous la terre, et fait son, tout ce travail circulaire pendant la nuit, et revient le lendemain. On voit, on, on voit effectivement les cycles du soleil, et en même temps le cycle du temps. Mais du temps chronométré. Ce qui est intéressant, ce que fait Robert ici, c'est qu'il il réfléchit en, en peintre, c'est-à-dire sans mots, mais avec des images, avec des dessins. Il réfléchit sur ce qui sépare euh, la durée du temps. Le temps, c'est de la durée mesurée. Ici, on a de la durée mesurée, c'est-à-dire que c'est une horloge solaire. C'est l'horloge du soleil. On voit bien que c'est un, un soleil et ça ressemble au tournesol de Van Gogh ou à toutes les magnifiques peintures de Robert, les, les peintures de fleurs. Là aussi, je trouve qu'il est, est génial dans dans la restitution de, de la, de, du, du vivant floral. Et on voit ici quelque chose comme un tournesol, l'étymologie le dit très précisément, c'est ce qui tourne autour du soleil, c'est l'horloge interne de la nature. Et on voit ici un genre de tournesol, girasolé, je crois, on dit en, en, en italien, et la mesure du temps. Ce n'est pas exactement midi, mais ça pourrait être presque l'heure de midi, comme dit Nietzsche, c'est-à-dire l'heure sans ombre, l'heure du moment zénital. C'est le trajet d'une vie. On voit bien que euh, c'est le trajet de la nuit et du jour, mais c'est le trajet des saisons. C'est ce qui montre qu'il y a effectivement le jour et la nuit, mais c'est ce qui montre qu'il y a également le printemps, l'été, l'automne, l'hiver. Les hommes de l'Antiquité, les, les préhistoriques, comme on dit aujourd'hui, le savaient très bien. Nous, aujourd'hui, on sait pourquoi ça fonctionne comme ça, pourquoi ça marche comme ça. On va laisser passer l'hélicoptère. Euh... Aujourd'hui, dans le ciel, il y a des hélicoptères, il n'y a plus d'horloge des... solaire. Euh, le fonctionnement le, d'éternel retour, c'est le fonctionnement de, le, le fonctionnement retour, le fonctionnement de, de la nature, c'est ainsi. C'est-à-dire ce qui marche avec la nature marche évidemment avec l'homme. Cet homme est né, il a grandi, ça a été un enfant, un adolescent, un jeune adulte, et puis il est là dans la force de l'âge, et puis ce qui l'attend, c'est circulaire aussi, ici c'est ça, c'est-à-dire ce cadavre allongé. Ici c'est lui plus tard. Et on est dans la grande tradition de la peinture. Je songe à Carpaccio, par exemple, quand il est capable, Carpaccio, de, de se mettre en scène euh, ou de mettre en scène des personnages plusieurs fois dans leur vie. C'est-à-dire, il y a un, un enfant, il y a un adulte, il y a un homme plus âgé, puis il y a un vieillard. Et on, on voit tous ces personnages qui sont différents dans la même peinture de Carpaccio, c'est le même homme. Eh bien, ici, c'est la même chose. Ce sont deux personnages différents, mais ce sont des personnages semblables. Inscrit dans la durée, inscrit dans le temps, il y a celui-ci qui sera celui-là. Et... Celui-là, parce qu'il sera mort un jour, aura laissé derrière lui des enfants qui referont le travail, qui etc. C'est-à-dire le, le cycle de l'éternel retour qu'on voit ici, c'est le cycle de l'éternel retour qu'on voit là, et c'est cette mesure chronologique qui nous permet de dire que cette durée, l'hélicoptère nous avait perturbé, cette durée dont, dont, dont les hommes préhistoriques savaient qu'elle existait, parce qu'ils avaient bien compris que le soir la nuit tombait, que le matin le, le jour revenait. Ils avaient bien compris que les arbres perdaient leurs feuilles, puis qu'à un moment donné ils retrouvaient leurs feuilles, puis qu'à un moment donné ils retrouvaient des fleurs, puis qu'à un moment donné il y avait des fruits. Et ils ont bien compris le cycle de la nature, même si nous, nous savons depuis que le soleil est au centre, que la Terre est autour, qu'elle tourne sur elle-même et qu'elle tourne autour de, du soleil sur le principe d'une ellipse. Et que dans cette ellipse, il y a aux deux extrémités les solstices et les équinoxes, et qu'il y a donc des solstices d'été, des solstices d'hiver, des équinoxes, etc. Enfin que, 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 que donc il y a un ordre des choses, et en grec, l'ordre des choses, c'est cosmos. Donc ce que peint Robert dans cette dans cette œuvre là, c'est le cosmos, c'est l'ordre du cosmos, c'est la vie d'un homme intégré dans le cosmos. Il y a cette partie qui est la partie de la terre, et je ne suis pas étonné on retrouve le, le rose de Robert, c'est un, un rose qu'on trouve souvent dans la chair de Robert, le corps des femmes qui sont toujours justement euh, maquillées, apprêtées, et Baudelaire dit tout ce qu'on qu peut, qu peut penser du maquillage, ce qu'est le maquillage, qui est le surgissement de la culture dans la nature, mais quand il y a des bas, des portes jartelles, quand il y a des, des talons aiguilles chez Robert, ça fait partie de sa, de sa grammaire, c'est son monde, il y a toujours cette couleur-là qui est la couleur de la chair. La chair, la peau, le monde, c'est la chair du monde, c'est la peau du monde, et ça prend la totalité, la partie, de, la partie inférieure de cet homme. Et ici, il y a l'incandescence d'un monde. Ce rouge est assez extraordinaire. Nous étions tout à l'heure, Robert et moi, dans l'atelier. Et on parlait hier de ce qui distinguait le, le papier de la toile. Et Robert me disait ben, Regarde le rouge ici. Et de fait, le rouge sur un papier n'est pas le rouge ici qui, tentait qu'on puisse encore parler d'un rouge. Il faudrait demander à Robert ce qu'est véritablement techniquement cette, cette couleur. C'est un rouge orangé. Mais c'est quelque chose de l'incandescence du feu. On voit bien que le cosmos, enfin quand, on, quand on fait un peu d'astrophysique aujourd'hui, le cosmos est noir. Euh, on parle d'ailleurs de, 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 de matière noire, mais le cosmos est noir. Ici, il est en feu, il est incandescent. C'est-à-dire que la Terre, c'est le rose de la chair, et cette partie de l'éther, c'est une incandescence qui est celle du feu. Le feu, c'est le... C'est l'origine du monde, c'est la, la création primitive. Chez les présocratiques, et il y a beaucoup de présocratiques chez Robert, de pensées présocratiques, euh, c'est le, le principe directeur du monde. Et on a tout ici. On a le soleil, on a la terre, on a, on a l'eau d'une certaine manière, avec les pleurs, la sueur. On voit bien que c'est de la sueur, ça pourrait être des larmes. Ce ne sont pas des larmes. Chez les paysans, on ne pleure pas. Et, et, et il y a le travail, la figuration du travail. D'abord ce geste de celui qui bêche. Euh, cet instrument est facile à reconnaître, hein, mais en même temps, la tête de la bêche ressemble à un animal préhistorique. Or, on a l'impression d'une limule, on a l'impression d'un cloporte, on a l'impression d'une bestiole qui va fouiller la terre et qui va chercher ce qu'il y a dans la terre pour ramener le fond de la terre. Il faut chercher la, le, principe vive de, de, le, le principe de la vie, il faut chercher la, la vitalité de la vie. Ce qui dans la vie veut la vie, eh bien, on va le chercher avec cet instrument qui ressemble à une pelle. Chacun le reconnaît, mais qui a cet aspect un peu un peu monstrueux, on s'en va chercher quelque chose d'octonien, c'est-à-dire la vérité de la terre. et eh bien, le paysan sait ce qu'elle est. Il fait ce travail. Moi, j'ai vu mon père faire ce geste-là des centaines de fois, et euh, il le fait parce qu'il retourne la terre. Il retourne la terre pour aller chercher la vie. On plante, enfin on sème, on plante. Ça germe, ça germe parce qu'il y a du soleil, parce qu'il y a de la pluie, parce qu'il y a de la terre. Et puis un jour on a les épis et quand on a les épis, eh bien, euh, on moissonne. Quand on a moissonné, on peut faire du pain et on nourrit l'homme qui a travaillé. Et c'est encore le cycle. C'est une peinture du cycle, peinture perpétuelle du, du cycle. Et il y a cette besace que moi j'ai connue. Mon père partait avec cette besace dans laquelle il y avait le casse-croûte. On démarre, tôt, on démarre avec le soleil et puis on finit avec le soleil. C'est-à-dire dès que le soleil se lève, on commence le travail. Et dès que le soleil se couche, on termine le travail. C'est la vie aussi. On commence la vie là et puis on la termine ici. On a le sommet de, ce, on a le sommet de sa vie et, et le sommet est ici. Le sommet de la vie, c'est le moment où la durée se transforme en temps. C'est le moment où on pense la durée et on dit il y a un chronomètre qui nous permet de savoir ce qu'est qu le temps véritablement. Et il y a là de quoi restaurer les forces perdues dans le travail. C'est-à-dire, il y a le casse-croûte, il y a la boisson, comme on dit. Alors pour certains, c'était le litre de rouge. Pour d'autres, c'était de l'eau, c'était le cas de mon père, ou alors l'été du café glacé, parce que la besace, c'est ce qui permet de restaurer les forces perdues, on transpire, euh, le soleil est terrible, la chaleur est, est considérable, et eh bien on a, la, on a de quoi se, se sustenter et se restaurer. Il y a ce pantalon que Robert restitue et que j'ai connu, pas chez mon père, mon père avait des bleus de travail, mais... Euh, qui était le, le costume, je dirais, des paysans d'avant le bleu de travail, c'est-à-dire effectivement un, un, un pantalon avec euh, ce genre de, de rayures-là. Ces bras tout à fait singuliers, moi j'ai un peu les, les mains de mon père, mais je veux dire ce sont, des, ce sont les mains de, de Picasso, ce sont les mains de Fernand Léger et les mains de, de Robert, enfin les mains du travailleur euh, tel que Robert euh, les, les, les peint, ce sont des instruments. Ce sont également des instruments. C'est-à-dire, le corps est un instrument. Il y a des gestes qui sont les gestes millénaires. Et si, euh, moi, par exemple, je me souviens, quand j'aidais mon père et que je prenais la bêche comme ça, naturellement, il me disait que je la tenais mal, qu'il fallait la tenir au bon endroit. qu'il y avait une main ici, une main là, mais pas trop haut, pas trop bas. Euh, le pied, c'est exactement la même chose. Pas le bout du pied, pas l'autre bout non plus. Euh, il fallait travailler un geste. Où je me souviens, à un moment donné, il m'a donné une faux. Et évidemment, il, il, quand il fauchait, c'était magnifique. On entendait chou, et on voyait les blés qui tombaient. Et puis un jour, il me dit "Vas-y, prends." Et alors, j'ai pris. Et évidemment, j'ai mis la pointe de la faux dans, dans la terre, parce qu'effectivement, il faut comprendre que ce geste millénaire fait que on doit tendre tendre la main de façon à, à, à obtenir euh, la même épaisseur entre le début du geste et, et la fin du geste. C'est-à-dire que sur ce geste, qui paraît simple, il y a des millénaires d'empirisme, de, de, je dirais. C'est-à-dire que ce geste n'est pas neutre, il n'est pas simple. Comme on pourrait l'imaginer, il est le produit de, de millénaires. Il y a une époque où les hommes ont dû gratter la terre avec leurs mains ou avec éventuellement des, des cailloux. Puis un jour, ils ont utilisé un instrument. Puis après, ils ont imaginé que le manche permettait effectivement de, de mieux travailler parce que la, la force est décuplé ou est démultiplié. Et on voit là un geste fabuleux. Il est triangulaire dans l'œuvre, c'est-à-dire qu'on a une forme quasi-parfaite, c'est en même temps une façon de partir vers le soleil. On voit que cette construction de l'homme permet d'aller vers le moment de l'absolu de l'éclairage, le moment de l'absolu du soleil. C'est l'heure de midi, même si là c'est plutôt une heure. Mais, mais on est dans quelque chose de zénital et, et, et tout va vers ça. C'est-à-dire que ça part de la terre, ça passe par le corps de, du travailleur et du paysan et ça s'en va vers la durée absolue qui est le, le moment de midi, l'heure sans ombre, qui est le début, le début de la fin, c'est le moment de l'acmé. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, il va y avoir une, une ombre à nouveau parce que ça va descendre et on voit bien que s'il y a ici, je vérifie, parce que mon hypothèse pourrait ne pas être juste, il n'y a pas d'ombre. Parce qu'il y aura des ombres plus tard, quand ça descendra, on verra cette ombre qui va, qui va tomber. Et d'une certaine manière, quand le temps va passer, quand on, la durée va s'exprimer, eh bien, il y aura une ombre de cet homme et, comme par hasard, il y a cette ombre portée. L'ombre portée du vivant, c'est le mort. Le temps qui passera va faire de telle sorte que cet homme qui était vivant sera lui aussi un homme mort, il se couchera dans la terre. Son corps nourrira aussi euh, la terre. Euh, moi j'adorais l'époque où on mettait les morts dans des linceuls et les linceuls dans la terre, on recouvrait de la, la terre, parce que là, pour le coup, on, on repartait dans le cycle. Aujourd'hui, on est dans un sac en plastique, qui est lui-même dans un cercueil, qui est lui-même dans un caveau, qui est lui-même cimenté, on ne retrouvera jamais la nature, on va pourrir dans un sac en plastique. Alors qu'ici, ce que le, le, le temps va exprimer, quand le temps sera passé, il enverra l'ombre de cet homme, et l'ombre de cet homme, c'est son avenir, c'est son futur. Et c'est ce que dit la chanson de Brassin, c'est-à-dire qu'il y a un moment donné où... Sans faire de bruit, toujours bêchant, toujours bêchant, dit le texte. Il retournait le champ des autres, et puis à un moment donné, il retourne le champ, il va se coucher, c'est fini, son temps est passé, il, il, est, il va mourir, il est là, et il va reprendre sa place dans la nature. Sa place dans la nature, c'est qu'il sort de la terre, c'est qu'il travaille la terre, c'est qu'il est qu l'homme qui va travailler la terre. Le paysan est une figure emblématique et plurimillénaire de nos civilisations. Il va se coucher. Il va reprendre sa place dans la nature et puis euh, la nature va réeffectuer un cycle et ça continuera comme ça. Chef-d'œuvre pour moi donc, je conclue, chef-d'œuvre pour moi chez Robert parce que, euh, parce que ça, ça me touche personnellement, je, je vous expliquais pourquoi, c'est la biographie de mon père, mais en même temps je trouve qu'il a, il a tout dit de, de ce que peut être une philosophie euh, avec euh, le rapport au monde qu'on peut avoir. Robert est un homme du geste, de la main, du travail, de la peinture, de la couleur. Quand il s'exprime, il s'exprime très bien aussi, ce n'est pas qu'il est encombré avec, avec le langage et avec le vocabulaire, mais je persiste à croire que le, 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 grand, le grand peintre, c'est le peintre qui philosophe aussi. C'est pas un, un peintre qui philosophe avec... Le, 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 le peintre qui philosophe ne philosophe pas forcément avec des mots, encore que, quand Robert fait des cartels et qu'il donne des titres à certaines de ses œuvres, ce sont d'authentiques poèmes. Des chefs-d'œuvre de poésie pour moi, c'est post-Malarméen, c'est post-Valéry, et, et, et ça mériterait, je crois, une, une édition d'ailleurs autonome. Il est aussi grand poète qu'il est aussi grand peintre. Et je trouve que cette façon d'achever une vision du monde, de la proposer avec une image, je dirais comme lui, simple, modeste, qui, qui n'est pas tape à l'œil, mais qui dit la vérité du monde depuis que le monde est monde, je trouve que indépendamment du fait que ça puisse être un chef dœuvre personnel pour moi parce que ça ça renvoie à des histoires personnelles je crois que c'est un chef dœuvre parce que euh, ça peut figurer dans les plus grands musées du monde comme d'abord l'œuvre qui dit Robert c'est son style c'est son, son caractère c'est son tempérament c'est sa façon d'être de produire cette façon de de déposer les couleurs et la chance d'être son ami de voir dans l'atelier dans des états de, de son travail j'ai vu tout à l'heure comment, comment il procédait sur ce qui est de son travail en cours Comment ça démarre, comment ça continue et comment ça finit. Et, et cette idée qu'on puisse avoir euh, des couleurs, puis qu'ensuite il y a ce, ce fameux trait noir qui est sa signature, et qu'on obtienne, on, on obtienne cet effet avec aussi des, des coulures. Alors on pourrait peut-être, tous ces petits personnages grimaçants, là, euh, extrapoler un petit peu en disant Mais est-ce que c'est ce quoi ces, ces, ces coulures euh, Qui sont ces, ces gens Sont-ils même des gens On pourrait euh, être dans une logique de métaphysique. De, de physique quantique, mais pour le coup ça donnerait une métaphysique quantique, parce que dans la logique quantique, et c'est ça qui est très intéressant, cette fameuse, métaphysique rend cette fameuse physique rend possible une métaphysique, ce qui a eu lieu, a déjà eu lieu et aura lieu encore. Il y a un nombre infini de mondes dans cet univers, dans ce plurivers, et on pourrait imaginer que cet homme qui est ça, et qui sera ça, il sera ça aussi, et qu'il il fera partie de ces espèces d'ombres des ombres qui sont toujours là un peu comme, euh, comme les atomes d'épicure quand épicure nous dit il y a des atomes ça tombe dans le vide et, et il y a des moments où euh, il, y a, il y a un atome qui quitte c'est ce qu'on appelle le clinamen il y a une déclivité qui quitte la ligne droite il va rencontrer un autre atome puis encore un autre atome puis il va fabriquer le monde comme ça et on a l'impression que ça pourrait être ici l'espèce de pluie d'atomes originale et on a les atomes qui tombent ici et puis qui finissent par, 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 par dévier pour l'un et puis construire à nouveau un monde on peut imaginer que cet univers quantique là, rend possible la présence des morts, la présence des morts qui sont, qui sont toujours vivants. Cet homme qui est vivant et qui est mort repartira peut-être, possiblement, dans, dans ce cycle-là, des personnages qui veillent, qui sont là. Euh, la physique quantique ne l'interdit pas. Euh, elle dit, par exemple, il y a une très belle image que j'utilise parfois, mais... Si on met du, 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 du bain moussant dans, dans, dans sa baignoire, par exemple, on renverse la bouteille de bain moussant, on va avoir des bulles, des bulles, des bulles, des bulles, et puis à un moment donné, les bulles vont déborder de la baignoire, puis ben, ça va déborder de la baignoire, il y en aura plein la salle de bain, puis après ça va déborder la salle de bain, il y en aura plein le couloir, puis après il y en aura plein la maison. Et puis ça va déborder la maison, ça va déborder dans la rue, ça va déborder dans la ville, ça va déborder dans la région, dans le pays, dans la France, puis l'Europe, et puis le monde. Et puis on imagine que ça déborde jusqu'aux limites qu'on peut imaginer de l'univers. Eh bien, la physique quantique nous dit chaque bulle est un univers. C'est-à-dire qu'on imagine l'infinité des mondes. L'infinité des mondes. C'est-à-dire que euh, quand on a l'impression que notre univers est vaste, on ne sait pas où sont les limites de l'univers, mais c'est l'équivalent d'une de ces bulles du shampoing qu'on a mis et qui est étendue jusqu'aux limites de l'univers connu. Une bulle, un univers. Et la métaphysique quantique nous dit rien n'interdit d'imaginer que ce monde-ci existe de la même manière dans un autre monde. Dans les multivers, euh, très exactement le même, mais ça peut être aussi très exactement l'inverse. Mais ça peut être aussi un autre monde, un monde dans lequel il n'y aurait que des peintures de Robert Combas, un monde dans lequel il n'y aurait que des têtes d'épingle, un monde dans lequel, etc. L'infinité fait que il n'est pas impossible, d'abord, euh, qu'il y ait d'autres vies, pas, forc pas forcément euh, les mêmes, mais qu'on pourrait même imaginer un monde euh, rétroversé. Ce monde-ci. Il, il est produit exactement de la même manière dans une autre de ces bulles, mais avec un léger décalage, mais avec une transformation. On peut même imaginer que nous vivons très exactement le contraire de ce que nous sommes en train de vivre. C'est-à-dire que nous, nous allons vers notre mort, mais que finalement, dans, dans, sa, dans un univers comme celui-ci, on commence par sa mort, et puis qu'on aille vers sa naissance. Donc le, la, la métaphysique quantique rend possible des choses extraordinaires. La fameuse histoire du chat de Schrödinger qui est et vivant et mort en même temps, c'est quelque chose de, de, de philosophiquement très intéressant. Et, on pourrait expliquer cette bande-là de manière presque quantique. On peut imaginer qu'il y a quelque chose de la physique quantique qui nous dit ce personnage vit sous le regard de ceux qui sont morts mais qui sont toujours là. Un jour, cet homme qui sera ça deviendra ça. Et on a encore cette logique circulaire qui fait que une fois encore, on a cette logique circulaire, il y a une façon de figurer le cosmos qui pour moi est géniale. J'utilise rarement le mot mais il y a du génie dans cette façon de dire je produis cette image et tout s'y trouve dit. Donc on comprend que, euh, je l'ai dit j'ai dit pourquoi ça puisse être pour moi un chef-d'œuvre. J'aimerais que pour tout un chacun qui voit cette œuvre, ça puisse être aussi un chef-d'œuvre, car c'en est un. Avec une bêche à l'épaule, avec à la lèvre un douchant, avec à la lèvre un douchant, avec à un grand courage, il s'en allait trimer champ. Alors Robert, un jour il y a une toile toute blanche. Ouais. Et puis un jour, il y a tout ça. Comment est-ce qu'on passe de ça à ça Oui, mais là, c'est compliqué parce qu'à l'époque, c'était vraiment des performances. Les, les coulures, ça donne un, ce côté, justement, de la performance, de la fatigue et tout ça, du mal de dos et tout ça. ça normalement, ça doit se ressentir dedans. Alors, bon, le problème, c'est que celui-là, oui, on va dire qu'on qu qu ressent les choses. Euh, et après, il faut les, on peut les expliquer, mais on peut les ressentir beaucoup plus que d'autres tableaux. Je pas refait de texte sur ce tableau parce que. Mmh. Parce que c'était pas la peine. Quoi. Parce que j'ai fait des textes souvent sur les tableaux quand j'ai fait l'exposition. Hein. Bon, j'ai refait les textes à ma manière. Hein. J'ai réécrit les textes de Brassens à ma manière. Mais pas tous. Donc celui-là, non. Parce qu'il n'y y avait pas de raison de le faire. En général, les chansons sérieuses, euh, je veux dire, tu vois, dans le, quand je dis sérieuses, dans le sens euh, de se euh, baigner tout tenu mmh. Celui-là aussi, je crois que je n'ai pas fait grand-chose. Je parle que je n'ai pas fait grand-chose comme titre. Ouais, ouais. Puis aussi, je pleure aussi une chanson du début qu'on qu n'aura pas dans l'expo, mais que je, que, que, que je tenais à voir parce qu'on n'a pas une très bonne photo. C'était c'est une chanson en vérité qu'il n'a peut-être pas chantée. Je sais rien. Mais c'était des paroles à l'époque quand il était plus jeune, et donc c'est très influencé par Charles Trenet, Tu vois la chanson mmh, ouais. le calibrage de Charles Trenet. Alors là, tu, tu lis le texte, pauvre Martin. Tu, tu ne peins pas avec le texte nez, tu, tu as en tête. Non, non, et... mais de toute façon, euh, ouais, mais façon, c'est l'ambiance. De suite, je connais l'ambiance de pauvre Martin, donc euh, si je l'ai je, je, je sûrement lu, parce qu'après, j'essaye de, de, de faire quand même que ce soit... En vérité, c'est un peu comme des aluminures, mais un petit, tu vois. En, en grand, je veux dire, des mmh, aluminures agrandis. Mmh. Je trouve que ça se ressemble à des aluminures. C'est un côté ouais. un peu religieux. D'ailleurs, moi j'adore les j'adore les, les livres d'or, j'aurais aimé avoir un livre d'or d'ailleurs. Euh, je pense c'est la technique et tout ça. Alors. Et puis ça raconte des histoires. Bon, évidemment, chez eux, c'est toujours pareil. Hein. C'est toujours les mêmes histoires. Enfin, même, mais, mais la Bible, tout ça. Et, et, mais alors que là, ça part dans un. Euh, mais ça côté à l'aluminure, je trouve, agrandi, quoi. Mais souvent, mais des tableaux, c'est un peu ça. Pour les tableaux sérieux, je dirais. Pour, parce que moi, il y a des tableau tableaux sérieux des tableaux complètement déconnectés. Quoi, je veux dire, euh, des trucs délirants. Quoi. Là, là, on délire sur la peinture, mais ça, ça reste quand même calibré. Euh, et tu te souviens comment tu l'as construit, comment ça démarre Non. non. Bon, c'est sûr que j'ai fait le même avant. Ouais. <laughs> j'ai fait le personnage avant, ça c'est sûr. Mais je ne m'en rappelle plus. Non bon, évidemment, puisque, puisque les coulures, ça va être la fin, parce que je les ai mis à la fin, évidemment. Alors, donc, on peut, on, je pense que j'ai d'abord travaillé le personnage et après j'ai. Mais bon, il est presque abstrait. Toujours dans ma peinture, il y a ce, cette ambivalence entre le, le, le figuratif et l'abstraction qui me permet de, de montrer, de, de faire une réécriture. Parce qu'au départ, je réécris, donc en vérité, les tout premiers tableaux, d'ailleurs, ils sont complètement... Euh, les tout premiers tableaux sont vraiment euh, complètement euh, naïfs, plus que naïfs, bruts. Euh, et puis alors, petit à petit, ça se sophistique pour devenir de la peinture euh, et, euh, et, et apprenant des thèmes et tout ça. Quoi. Au début, c'est totalement euh, un délire. Euh, euh, un réapprentissage de la peinture par, par, ce que je, par les bribes que j'ai... Euh, contrairement à ce qu'on pourrait croire aux beaux-arts, on ne foutait pas grand-chose. Hein, euh, mais quand même, le fait d'être aux beaux-arts, ça m'a permis, moi, de, de connaître un, un milieu qui n'était qui pas, pas le mien, euh, totalement populaire. C'était bien de, de, de rencontrer des choses qui étaient, qui étaient plus artistiques. Mais, mais je les ai rentrées à ma manière et j'ai fait quelque chose qui est entre le, entre l'art brut et l'art contemporain. C'est une espèce de pop-art. Moi, j'agrandis tout. À l'époque, j'agrandis tout. Et comme c'est grand, et comme il n'y a pas de révolution. Moi, au début, moi, il n'y avait pas le. Bon, a, le graffiti, il arrivera donc en 82, 83. Mais, mais disons que le graffiti, bon, voilà, tu vois, mais à part ça, il euh, n'y a personne. C'est le, le désert total, quoi. de mon côté. Moi, je, pour ça. Et donc, c'est important parce que ça m'a ça porté ça. Mais cette idée-là du cycle, tu le ouais, penses le cycle, ou Ça s'impose. Ouais. Alors euh... il faut dire qu'à l'époque j'étais un peu porté sur des trucs un peu symboliques, tu vois, ésotériques et compagnie que j'y comprenais rien de toute manière. Mais de toute, mais de toute façon ça va, me, ça me, ça me, tu vois, voir, on allait voir les églises avec Geneviève, tu vois, les, 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 les énergies, tout ça. Donc on n'était pas loin à l'époque de ça. Aussi. Mais là, c'est pas pareil, la chanson, elle te porte. Celui-là, c'est un. Il y a aussi la, la chanson ou le, ou, le, ou le thème qui te, qui te porte, bon, là, les paroles et tout ça. Donc, je veux dire, il n'y a pas vraiment de, trop de gros problèmes avec, avec ça. Il y en a eu dans d'autres tableaux euh, que j'ai fait de la, de la série, que je, que je trouve bien, mais, que je, mais, mais évidemment, mais, mais, mais de la valeur de celui-là, il n'y en a pas beaucoup. Dans, ils ont tous leur valeur, mais par exemple, dans Les Amoureux des banques publics, par exemple. Moi j'ai fait un, un... Ils sont traités un peu comme ça, avec des coulures et tout, donc ça pègue un peu, tu vois. C est, c est... Ma peinture, elle pègue. Et, et tu disais tout à l'heure que le... pègue, tu vois, c'est. Tu vois, pègue, c'est... Non. Je dis, ma voiture, elle pègue, ça veut dire, tu sais, ça, 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 ça colle un peu, tu vois. C'est un peu comme ça, ça te reste sur les voies. Ouais. On, a, on dit pègue, ça, ça, ça pègue. Ça, <laughs> c'est un peu le truc, tu vois. Et, et ça tu dis... fait ça. Tu disais tout à l'heure que c'était la fatigue, le mal de dos. Alors j'étais vraiment dans l'ambiance du, du travail, puisque justement, des grands tableaux comme ça, à une époque, moi j'ai eu pas mal de mal de dos et tout ah ça. Ouais. Et, euh, et donc on le retrouve aussi dans ma peinture et tout ça, parce que c'est une peinture très physique quelque part. Sans être... Euh, je ne cours pas comme pollock, hein, quand même. Mais bon, ça, ça reste très physique hein, comme peinture. Et donc c'est évidemment comme je n'ai pas fait beaucoup de sport, je me suis un peu ruiné. Mais j ai, j ai, maintenant, je suis un peu fatigué de ce côté-là. Fais attention un peu plus, mais tu vois, les grands tableaux et tout ça, c'était des performances totales. Hein. Il y a des moments, j'en ai fait plein en public. Euh, bon, là non, hein. là non, hein. mais euh, bon là je me suis un peu calmé là, mais bon. Je... C'est-à-dire au départ, qu'est-ce que tu fais quand tu fais ça Quand tu fais ces performances ouais, des... Oui, mais ça, ça fait penser à des âmes, ça peut faire passer à des, à des morts, ça peut faire passer à... C'est des coulures... Bon. Mais au départ, c'est une coulure d'abord. Non, Comment au départ, c'est une coulure. C'est une coulure. C'est une, une tâche qui dégouline. C'est une tâche qui tombe, oui. Et après, tu fais des personnages Alors, j'ai fait des personnages, oui, parce que parce que là, quand même, j'ai toujours des tendances, comme l'art brut, et de remplissage et tout ça. Donc, de, de remplissage de... de euh, on ne peut pas dire que je suis minimal, hein, de ce côté-là, hein, même si j'aime bien ça, des fois. Et donc, là, donc, je rajoute des personnages. Et donc, ça fait penser aux âmes, ça fait penser à pas mal de choses. Hein, mmh. le, ça fait penser aux morts, ça fait penser à... Les exemple... êtres humains, parce que lui il est seul comme ça aussi. Là, là il est seul, il y a les autres aussi. C'est toujours un rapport avec le fait qu'on est, on est toujours multiple et en même temps on est seul. Est, ça ça c'est le problème de l'être humain, c'est normal. Oui. Et donc là, là ça représente le monde, ça peut représenter plein de choses différentes. Et, et, et notamment d'essayer de se caler sur le, quand même, les, les paroles de, de, de Brassens. Et, euh, on voit quand même qu'il n'y a pas de nature euh, verte. Hein. Euh, y a, y a, mmh. C'est le champ de pommes de terre. Ouais, quoi. Oui. Et pourquoi le violet Alors ça c'est ça, ça, une histoire de, aussi de... Qui, qui est presque pas figurative. À un moment donné, si je fais du violet, c'est parce qu'il y a du jaune. Donc c'est la couleur complémentaire, par exemple. <laughs> bon, des, des fois je peux faire ça pour ça. Hein, c'est ce qui correspond le mieux, là. C'est mmh. vrai que ça ça, ça fait passer à des chairs, ça peut être ça fait penser à la merde. Souvent, ça, ça peut... Tu vois, je veux dire, à à plusieurs choses. À, au boyau, ça, ça fait très boyau aussi. Hein. Mais ce sont les sillons, ça Ou pas Comment Non, ça, ce sont les sillons, ou pas Oui, c'est les sillons. Oui. C'est les sillons. Mais alors, évidemment, dans ma peinture, comme je n'ai pas de ligne droite, là, ça part dans tous les sens. Et parce que même, même, le, même le contour compte. Il, le contour est, est volontairement, euh, volontairement jamais droit, il était pendant longtemps. Enfin, sauf quand je vais au bout, au bout de la toile. Parce que là, on voit, on voit la toile qui, qui a été collée, puisque moi, je l'ai fait sans. Après on l'a collé sur un châssis, mais moi je l'ai fait sans châssis. Donc je mettais ça au mur, avec deux punaises et en avant. Donc ça reste une performance au point de vue du temps. Et donc ça va très bien parce qu'il devait y avoir de faire chaud ce jour-là. Mais il n'y a pas de signature. Alors attends, c'est rigolo, ça, il n'y a pas de signature. Alors s'il n'y a pas de signature, c'est simplement parce que... Parce que, comme euh, j'ai gardé ce tableau, j'ai oublié de le signer. Tout, ah, parce oui. que, vérité, bah, moi, je ne pense pas à ça. Moi, tu le signes parce que, bon, après, tu vas le vendre ou il va être part, il va partir. Bon, pour dire que c'est toi, évidemment. Mais là, des fois, j'oublie, tu vois. C'est vrai. Il y a quelque chose a pas, qui, qui. Il va falloir que je signe derrière. Bah, moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose comme une signature ici. Pour qui connaît ta signature, tu sais tu écris basse et puis ça peut être tu oui 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 et c'est vrai que ça fait... c est, c est... oui ça pourrait être la signature hein. c'est vrai parce que bizarrement il n'y a pas de signature ça c'est sûrement la chose que j'ai fait à la fin euh... oui. je... euh, c'est sûrement le dernier truc que j'ai comme la signature peut-être oui. c'est presque mais bon un... je vais quand même signer c'est un <laughs> autoportrait donc c'est un autoportrait à sa manière ben, ça c'est un autoportrait, c'est pas un autoportrait parce que c'est toujours quand même un truc. Automatiquement, toi tu penses à ton père, automatiquement moi je pense à mon grand-père. Mmh. Même si ce n'est pas un paysan, mais un... Il était... Il, a... il était pendant longtemps, il a été à la... À la... Il... du côté de ma mère. Euh, il était euh... menuisier à la Dans... Salvetat, au Le nord de l'Hérault. Après, c'est des gens qui sont... qui sont pour des obligations de santé ou des trucs comme ça pour un de ses fils. Ils sont redescendus, ils ont, ils ont ouvert une petite épicerie. Puis, puis finalement, il a fini au chômage. Euh, il, il, il a fini avec le. Tu sais, en faisant des tonneaux là, pour, les, pour, les, pour les vins. Et pour le vin, et puis après, bon, puis, hein, Parce que ça pourrait être un autoportrait, en fait. C'est le, le peintre en ouvrier agricole ou en paysan <laughs> Oui, quelque part, évidemment. puisque... Le peintre qui quelque transpire, part, oui. qui souffre du dos. Qui... Quelque part, non. Mais enfin, il y a quand même un, un recul, quand même. C'est un truc comme ça, c'est quand même quelque chose qu'on voit du, de notre passé à nous, euh, même s'il est proche. C'est pour ça que ça, ça... ça me fait penser à ce film de, pan... des, des films de Pagnol, tu sais, où il y a les mecs qui font le blé avec la femme. Oui. Et, euh... et comment tu décides Mais là, comme dans son texte, quand même, il parle pas. Il parle de lui, en, en général, dans le texte, il n'y a pas de femme et tout ça. Enfin, il n'y a pas de femme. Si, mais, mais je veux dire, a... c'est de lui qu'on parle, c'est de lui qu'on parle, qui représente un peu tout son. Et par exemple, ce, cette pelle, comment tu la, comment tu la penses Ce que je disais tout à l'heure, qu'on dirait une limule, on dirait ouais. une, une bestiole qui. Oui, ouais, parvoche... ouais, parce qu'elle a une drôle de forme quand même. Hein. Oui, oui, ouais. Ouais, ouais. mais je la pense, c'est un peu ce que tu dis, ouais, parce que c'est qu'elle s'est Elle a presque deux yeux. Oui, alors ça, je n'ai pas, pas essayé de faire figuratif, parce que, euh, pas figuratif, mais je sais, des fois je mets plein de, de, de personnages. Hein. Alors là, c est, c est, c est, ça me fait esprit parce que. Tu vois, il n'y a, a pas de personnage, c'est rempli. Justement, ça me permettait de remplir encore plus les, les couleurs, parce qu'il y a beaucoup de tableaux avec des couleurs. Parce qu'il y a peu de blanc. Dans, dans Il reste peu de blanc quand, as, quand tu as peint. Ouais. Et on voit là. Mais là, on a l'impression que... Oui, oui. Je ouais. t'ai vu parfois quand il y avait une tâche. Tu prends... Oui, j'ai un tour, oui. Ça, c'est ça, oui. Non, non, c'est... Et là un petit personnage, un petit personnage caché ou Ouais, ouais. alors ça c'est parce que je n'ai pas pu m'en empêcher, mais On va dire qu'il n'y en a pas beaucoup des comme ça. Hein. Ça reste... Euh... D'ailleurs, quelque part, ça, c'est des gestes, ça... Enfin, euh... je, je me suis quand même... Euh... Il n'y a rien qu'un mot où j'ai rajouté quand même. Je n'ai pas pu m'empêcher parce que c'est des, des espèces de trucs d'instinct euh... où c'est un peu... Mais finalement, c'est des tableaux quand même. C'est expr assez expressionniste. Moi, je trouve quand même ça, ça. se rapproche de l'expressionnisme. Même si je. expressionniste en général, ils ne mettent pas du noir autour. Peut-être, mais. Mais quand même, ça reste euh, ressenti expressionniste. Il a une moustache à la Brassens Ouais, mais Oui, oui, oui. Alors ça c'est pas fait exprès mais c'est vrai que c'est qu'il a un peu de moustache un peu la brassesse. mais n'ai pas pensé à ça comme je l'ai fait ça reste le moustache de, de paysan mmh. de pays. mais c'est vrai c'est vrai qu'il ressemble un peu à brassesse. il a une moustache à la brassesse. Ouais. donc c'est pas seulement un, enfin, un brassesse, mais c'est jamais de chapeau. enfin j'ai jamais vu avec le chapeau par exemple Une casquette jamais euh, dans des, je crois qu'il y a des photos de jeunesse ah ouais ah oui il y a oui peut-être peu... encore je suis pas sûr il y a le costard tu vois le constat croisé un, un, un la qu Qu'est-ce qu qui te ferait dire d'une de tes œuvres qu'elle est un chef-d'œuvre Tu as des préférences dans des œuvres. Dans mes œuvres Oui. Ouais, mais quand je dis chef-d'œuvre, moi, c'est pour dire Ah, c'est un super tableau que j'ai fait pour moi, mais... C'est un super tableau que j'ai fait pour moi, mais euh... mais, 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 mais je n'ose pas dire chef dœuvre autrement, c'est pas à moi à le dire. Ça... Parce que ça, ça fait partie de ta collection privée, cette oui. œuvre. Qu'est-ce qui fait que tu as une collection privée ce qui fait que euh, c'est grâce aussi à ma femme. <laughs> parce que bon, moi j'avais eu tendance quand même à beaucoup, à beaucoup vendre. Et finalement, elle m'a quand même conseillé de pas. J'avais C'est parce qu'à une époque, tu sais, je regardais un tableau, s'il était bien, un tableau comme ça, ça m'a arrêté tout, tu vois, parce que disons que c'était parfait pour moi. Donc plus ça reste, soi-disant, un tableau, un en deux entre guillemets, je vais dire, mais moi, le problème, c'est qu'après, je peux plus rien faire. Donc, après, donc le truc, c'est de se débarrasser du tableau pour pouvoir en refaire un autre, un c'est un peu ça. Et à un moment donné, évidemment, tu as envie de garder, de toute façon, tu vois bien que euh, ça ne peut pas continuer comme ça. De toute façon, tu, ça, ça, si tu gardes ou que tu ne gardes pas, tu, ça va revenir au même, en gros. Hein. Évidemment, tu vas gagner plus d'argent peut-être, et encore. Il y a des œuvres qui s'imposent, moi je songe à, on est à 7 ici, dans votre magnifique jardin, qui est vraiment une maison d'artistes, jardin d'artistes, c'est formidable. Mais il y a au musée de 7 une œuvre dont je pense qu'elle est aussi un chef-d'œuvre, c'est le passage d'Hannibal. Il y avait une anecdote un jour à 7 qui raconte qu'Hannibal était passé par 7. Ce n'est pas possible, la ouais. vérité, qu'il ouais. passe par 7, puisque 7, c'était un endroit. Par contre, il est passé, évidemment, il a dû passer par 7, pas par 7, de l'autre côté de l'État. Donc j'ai fait ce tableau aussi pour ça, puis j'avais envie de faire autre chose, parce que c'était un une exposition sur 7. Et, euh, et, et donc, euh, puis ça, je trouvais ça original de faire passer... Justement, par rapport à cette anecdote qu'un mec avait dit qu'il était passé par, par là. Mais oui, il est passé par là, mais en vérité de l'autre côté de l'étang, mmh. sûrement. Parce qu'ils n'allaient pas sur les côtes parce qu'ils avaient peur de, so de se faire attaquer, de, de perdre du. Euh, de... Et donc j'ai fait Hannibal là parce que c'était... Mais il y a aussi un côté esthétique à Hannibal. C'est un tableau qui, avec ses éléphants là, tout ça, enfin bref, finalement on le voit au fond un peu là. Mmh. C'était pour ce. c'est un plaisir de peindre un peu là. Parce qu'il y a des toiles dont on se dit elles sont achevées. Elles sont achevées puis elles disent des choses définitives quoi. Et là j'ai vraiment l'impression ouais. que sur ce sujet là, ou sur les batailles, sur ton rapport à l'histoire... Là je viens de revoir un tableau, je ne me rappelais plus que j'avais fait. Qui, parce que pour l'exposition, finalement, l'exposition va s'appeler « Robert Combas chante 7 et Georges Brassens ». Parce qu'au départ, c'était Georges Brassens, mais comme il nous manque quelques tableaux, on va mettre des tableaux de, de, sur 7, et notamment, et notamment un tableau que je considère exceptionnel, que, 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 que je ne me rappelle plus avoir fait, et qui, est, et qui fait au moins 4 ou 5 mètres, et qui est euh, un truc abouti dans mon style, un style Combas totalement délirant, et ça représente cette. C'est quoi le style combat C'est complètement délirant. <laughs> délirant, ça veut dire que c'est vraiment délirant. C'est qu'il y, y a des espèces de personnages qui s'entrelacent. Il, il y a des couleurs. Qui... Et puis en même temps, ça tient debout euh, par miracle presque. Parce que la vérité, bon, c'est vrai que quand je fais le tableau, surtout ces grands tableaux, je, ça tient par... Euh, euh, dis, moi, c'est parce que je fais des cases pour pouvoir tenir le tableau. Et à un moment donné... Il y a un résultat, et le résultat, des fois, c'est un tableau superbe, enfin brut, tu vois, un peu de tous les côtés. Et puis, des fois, c'est très Ce tableau dont je parle, là, c'est un tableau qui est très. très tu vois, il y, a des, il y a des cases. Alors, il y a une case, après, tu as deux cases. Et c'est euh, quelque chose. Enfin, bon. Donc, il y a des tableaux que moi-même, je suis content de revoir, parce que, parce que je ne savais même pas qu'il existait, ce tableau, je ne m'en plais plus. Et, euh, donc, il va y avoir des tableaux sur sept aussi, quelques tableaux sur sept. Et, euh, et, et donc, le truc, c'est de dire « Chante Geor, Georges Brassens », je trouvais que c'était plus intéressant, parce que le je chante je, je c'est chante, un peu comme si je chantais Georges Brassens. Mmh. J'ai appelé l'exposition au combat Chante Georges Brassens »,« Chante 7 » et « Georges Brassens », euh, mais c'est parce que, on, je, moi, je pense que, je, tu sais, il y a des versions, t -t ou alors, euh, et donc là, c'est un peu une version aussi, un peu comme les chansons, justement. Tu sais qu'il y en a un autre qui a chanté, Plutôt que le chanteur lui-même. Et quelque part, chanter, euh, ça, ça c'était bien. Au lieu de dire Robert Combat-Spin, je, je azpain, et jean il vaut mieux chanter. Hein. Mais c'est une manière de chanter, quand même. Hmm. Avec une bêche à l'épaule, avec à la lèvre un douchant, avec à la lèvre un douchant, avec à l'âme un grand courage, il s'en allait trimer au champ.